Yo tout le monde, c'est Mehdi de la Gaming. Aujourd'hui je ne peux pas tourner mon intro parce que le chien me regarde, hein. Donc voilà, ça petite tête, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me laisses pas faire mon intro? Parce que j'ai envie de te faire chier, bâtard. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette petite tête? Tu vas me laisser faire mon intro? Ah oui, c'est ça, oui, hein. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 7. Donc on est vraiment dans la merde. À fond, à fond. C'est parti. Et à l'instant où je vous parle, je suis... Non, je suis pas... J'ai pas dit d'insulte, hein, du tout, hein. Waouh, les frissons d'un coup, ah, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Et ça fait des frissons dans le dos, c'est horrible. C'est horrible, les gens. C'est du jus de framboise, j'espère, ou de fraise. Pourquoi t'as fait ton... Ça coûte cher, une caméra. Et... Ah, parce que c'est pour me libérer. Bon, bah ça va, t'es tout pardonné, mais... Pourquoi tu fais ça? Ah. Ah, t'as ramassé une... Ok. Viens me découper les bras. Ouais. Qui... Ah, allez, encore... Ce jeu actuellement en cours de développement et donc j'ai pas le temps de lire, mais il est en cours de développement et ça me fout les boules. J'ai trop peur, les gens. J'ai trop peur. Je suis tout seul chez moi, ça me fait flipper la race. Ouh, c'est stressant, hein. Resident Evil 7. Ok, et bah je suis sûr que vous allez tous dire ça ressemble à P.T. qu'on a fait. Trouver un moyen de sortir d'ici, ok. Oh, c'est très très beau, c'est super beau. C'est abusé comme c'est beau. Alors, je les écraserai contre un rocher. J'espère que tu parles pas de moi, hein, parce que moi je suis gentil. Vous n'avez pas de cassette vidéo, ok. Oh, c'est trop bien fait. C'est abusé comme c'est bien fait. Ah. Il vous manque un fusible. Non? Non? J'ai pas envie d'y aller du tout. On est trop immergé, c'est abusé. Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Bonjour? C'est qui a fait du bruit? S'il vous plaît. Ouf. Alors déjà une porte, je parie qu'on peut pas y accéder. Non, bah non, c'est pas possible ça. Oh, je me sens pas bien, les gens. C'était quoi ça? Oh putain, c'est quoi ça? Ah, ça fait flipper, je me suis... Oh, ok. Y a rien à prendre du tout ici, y a pas de souci. Ok. Oh, c'est trop bien fait. C'est quoi ce bruit? Ah. Mais ça fait trop bader, les gens. Bon, en fait, c'est un mélange entre P.T. et Outlast. Hein, c'est un petit mélange, surtout Outlast 2 qui va sortir bientôt. Et donc, on va... Pourquoi dès que je parle d'Outlast, ça fait du bruit, là? C'est bizarre. Ouais, donc avec Outlast, on va bien les peler. On peut ouvrir. C'est nickel. Du panaché. Ah, c'est pas du tout du panaché, hein. Moi je voulais du panaché. Y a pas de panaché ni dans le micro-ondes. C'est plutôt dégueulasse. C'est pas très... C'est quoi tout ce bruit? C'est abus. Y a trop de bruit, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des bruits derrière moi, c'est horrible. Hein? J'ai l'impression que c'est chez moi qu'il y a ces bruits là, ça me fait trop bizarre, c'est trop flippant. C'est trop flippant. Bonjour? C'est dégueulasse, c'est des vaches coupées? C'est quoi?
J'ai une sensation de ça me fait. Mais même le bruit me fait flipper, mais arrête. C'était quoi? C'est un bébé, ça. C'est un bébé qui vient de naître. Et qui a. Comment il peut se retrouver ici, le bébé? Attends, on peut pas aller là? Non, on peut pas. Faut une clé pour sortir, ok. C'est fait flipper, les gens. Je suis pas bien. Là, je suis pas bien, oui, on peut le dire. Donc, on peut péter ça, c'est ça? Voilà. Allez, fais un petit coup. Voilà, nickel. Il y a quoi, donc, du coup? J'avais peur qu'il y avait un petit screamer. Ah, une cassette, donc on va pouvoir retourner dans la chambre. Ça me stresse. C'est quoi ce bruit? Ça me stresse. Arrêtez. Je me grouille, j'ai pas envie de rester ici. Et ça fait flipper ici, c'est horrible. Il y a quoi là? Oh. Je pense qu'on a oublié. Non, mais j'ai pas envie d'y aller en fait. J'ai pas du tout envie d'y aller. Ça fait stresser! J'ai l'impression que c'est chez moi! Oh, c'est la télé, putain! Hey, d'habitude, je me fais jamais avoir par les télés! C'est horrible! Donc, on va pouvoir regarder la cassette! Et qu'est-ce qui se passe donc dans cette cassette? Allez, on met la cassette et on va regarder qu'est-ce qui se passe! Ça fait flipper! On a l'impression qu'on est dans le jeu! C'est horrible! Bonjour. Oh. Oh. Tu m'as fait peur, hein. C'était un coquin, toi. Hein. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to repeat oui. Amarillo. That was two fucking c'est years super ago. Lugubre. Peut-être dans le doublage, ok, oui. I'm not feeling it. Ah, il me sent. J'espère qu'il me sent pas. On va se calmer. Nouveau plan, pourquoi? D'abord on fait l'intérieur, ensuite on tourne l'intro. En fait c'est une émission. Le nom de l'émission, voilà, c'est une émission. Ok. Ça m'inspire pas confiance du tout, du tout. Si vous voyez ce que je veux dire. Et eux, ils veulent rentrer. Alright, let's go. Mais rentrez pas là-dedans. Get out of the way. It's locked. Ils auraient pu. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce qui. Mais pourquoi vous voulez faire une émission comme ça? Faites des trucages. Pourquoi vous voulez faire la réalité? Faites des trucages. Mettez un fond vert. Enfin, faites un truc. Vous faites un faux décor et tout. Oh putain. Fuck me. Oh putain. Bah, ouais, fuck, you know? Bah, fuck, écoute, hein. Not anchor. What's that? Nothing. Oh, il l'a pas respecté. What's the story, Andre? Oh, j'aime pas du tout abandoned ça. Abandoned farmhouse, missing family. Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. C'est quoi ce bruit? How long do you say this place c'est quoi ce bruit? 3 years. 3 ans. Mais faut dégager les gens, hein. Get a shot of this. Make a great cutaway. Faut que je te fume quoi? So, Hillbilly Joe and his family go missing. C'est une petite soupe. Hillbillies, the Bakers, Jack and Marguerite Baker. C'est dégueulasse. And they were quiet, not backward. Plutôt paisible. A lot of bad rumors about their son Lucas. Ok. Bad seed apparently. Ok. T'éloigne pas trop. Ah. Bah t'as fait quoi? T'es con quoi? Eh, hey, t'as vu tu pas très loin toi. Hein. Pourquoi je peux pas aller plus loin? Je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? C'est pas normal. Laissez-moi y aller! Pourquoi je suis bloqué? Mais il vient de se barrer là. J'essaye de le rejoindre, il veut pas. Je te dis qu'il est là-bas. André! Il est là. Mais oui, voilà. André! Et oui, il est là-bas. Non, je... bah oui, il est là-bas. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Where is he? Bah il... je sais pas, moi. Il est monté en haut. This is the last time I work with that guy. Il fait quoi? I mean, producers, they come and go, but j'ai jamais été là-haut, like moi. Ça me donne pas envie. Du tout, du tout. Et... là, y a rien du tout, mais ça fait flipper quand même. What the fuck was that?
sais pas. Ouais. Allez, vas-y, fais-moi, parce que moi je fais pas. Hein. André. Et là il se fait choper, bras. Même pas. Et ça fait flipper, moi je vous dis. André, where are you, man? Je sais pas où il est, je crois que je sais tout moi. C'est quoi ces bruits là? Ça fait flipper. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Hey, c'est quoi ça? C'était quoi ça d'un coup là, un bizarre bruit? You gotta be fucking kidding me. Moi, non, on rêve pas du right, tout. On est bien dans la bon, dans le jeu, mais là on est dans la réalité dans le jeu. Hein. Oh putain, et je le sens pas. Hein. Pourquoi il faut aller là? Pourquoi? Et en plus, il sait la trappe et tout. Il sait qu'il y a une trappe. Le mec super surdoué et tout. Oh non. Non, je descends pas là. Hein. Non, mais t'es sérieux là? Putain, allez, on n'a pas le choix de toute façon. Putain, t'es un connard. Et je le sens pas ce coup là. Oh putain, non. Bah attends, laisse-moi descendre. Là, je vois rien. C'est bizarre. C'est bizarre. On est dans des égouts. Et il est bizarre le mec. Viens ici s'il te plaît. Il est bizarre. Et ça va? Il est bizarre. Il va se descendre. Ah non, c'est dégueu. Ah, c'est dégueu. C'est qui vient là? Et c'est qui lui? C'est chelou. C'est très très chelou. Ok. Non. Je vais t'écraser contre un rocher. Pourquoi là, c'est écrit you, c'est tu, et il était là normalement, il était sur la table. Et il s'est déplacé le truc. Ah, parce que j'ai regardé la cassette, il va me dégommer la gueule. Voilà, comme ça. Non, mais ça veut dire qu'on va devoir redescendre dans les égouts et voir le mec chelou là, puis me faire attaquer. Je n'accepte pas ça. Hein. Ah, il n'y a plus d'échelle. Ah, c'est dégueu. On va pouvoir se barrer. Et en plus, je peux même pas descendre de toute façon. Tant mieux, j'ai pas envie de voir monsieur bizarre là-bas. Bref, donc on va se grouiller. Bah du coup on peut se barrer. Le fusil, bah écoute, je lui dis. Là, il y avait un mec, on porte nos testicules et on. Et il est sorti de là le gars. On est d'accord, il est sorti. Mais, non, on peut même pas faire, ok. Monsieur, montrez-vous s'il vous plaît. Ça venait de là-haut, j'en ai rien à foutre, je veux pas. Mais en fait, il y a quoi là-haut? On a jamais été en fait. Non, j'ose pas, on descend. On se casse et on se casse très très loin. Putain, ta gueule, arrête, c'est quoi ça? C'est un... Oh putain, une paire de cul quoi. Allez, vas-y, on se taille, je veux pas rester là. On voit le petit bébé chelou là. Allez, hop, la clé, elle est là. Voilà. Allez. Oh, mais c'est magnifique. Oh, l'enculé. C'était qui? Ah, c'est la suite du début. Ouais. Il y a un truc qui a crié, un zombie là. Et il y a un zombie, fais gaffe. Il y a un mec derrière toi. Mec. Putain, mec. Non mais moi je veux pas rester avec elle, je veux pas rester. Quoi? Ok. Oui, c'est... Ah mais ça fait flipper. Mais ça fait... Là j'ai froid dans le dos quoi. C'est horrible. La famille vous attend début 2017. Je veux pas l'attendre du tout, la famille. Hein. Franchement, ça, je m'arrête là. J'irai pas plus loin. Hein.
Bon voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager avec la vidéo, ça se fait plaisir. Ça m'a calmé, hein, c'est horrible, hein, l'ambiance elle est malsaine, ça ressemble à un mélange de PT Outlast. En plus Outlast qui va sortir bientôt, mais c'est horrible. C'est flippé. En attendant, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, dis-le moi dans les commentaires. Et en attendant, c'est tout pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé, salut tout le monde, ciao.